Shalom bien-aimés, shalom shalom à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Ce soir encore, nous bénissons le nom de notre Seigneur qui nous a permis de rassembler dans sa présence. Et nous vous invitons à vous joindre à nous ce soir. Nous allons encore une fois de plus passer un temps merveilleux, un moment merveilleux dans la présence de notre Seigneur. Alors, de là où tu te trouves, je voudrais simplement t'inviter à ce que tu te tiens debout. Et ensemble, nous allons célébrer notre Seigneur. Ensemble, nous allons nous rappeler de tout ce qu'il a fait. Et ensemble, nous allons louer le nom de celui qui fait des merveilles dans nos vies. Oui, ce soir, est-ce que tu peux dire ensemble avec nous, je veux chanter tes merveilles. Je veux me rappeler de tout ce que tu as fait. Je veux, Seigneur, en Père, humilier encore de plus ce que tu feras dans ma vie. Car, Seigneur, même si je ne vois pas, je crois que tu l'as fait. Et ce soir, Seigneur Père, je vais louer ton nom. Ce soir, je veux dire, tu es digne d'être loué. Ce soir, Seigneur, je veux dire, toi seul es digne d'être adoré. Toi seul mérite, Seigneur Père, l'adoration. Toi seul, Seigneur Père, béni soit ton nom. Tu es digne.
puissant, Père. Nous voulons t'offrir notre reconnaissance. Nous voulons te dire merci, Père, pour cette semaine. Nous voulons te rendre gloire pour cette soirée que tu rends possible. Nous voulons te dire merci, Père, pour ce moment que tu rends possible. Nous voulons que tu puisses inspirer ce moment. À toi seul soit la gloire, à toi seul soit l'honneur. Oui, je te célèbre. Seigneur, viens nous enseigner, viens nous parler ce soir, et que la gloire te vienne à toi, ce Père, au nom de Jésus le Christ, que ton nom soit. Amen. 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 Shalom, shalom, bien-aimés. Je nous dis encore bonsoir et soyez les bienvenus à notre temps d'enseignement de soir. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde de pouvoir me tenir devant vous ce soir. Et ensemble avec vous de partager autour de sa parole. C'est un privilège de nous approcher du Seigneur. C'est un privilège de nous approcher de ce Dieu merveilleux et de nous disposer à écouter sa parole. Alors je vais t'inviter d'où tu te trouves derrière cet écran à te disposer bien-aimé. Car le Seigneur a une parole pour toi ce soir. Le Seigneur a une pensée pour toi ce soir. Sans transition aucune, nous allons passer à notre enseignement de ce soir. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec nous, de nous encourager juste. Mon exhortation de ce soir va plus dans le sens d'un encouragement et dans le sens d'une interpellation aussi. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec nous le sujet qui s'intitule « Reste attaché à Christ ». Si tu avais quelqu'un à côté de toi, dis-lui « Reste attaché à Christ ». Rester attaché à quelqu'un, de manière plus simple, c'est ne pas s'éloigner de cette personne. Peu importe ce qui se passe, c'est rester collé et attaché à cette personne. Je t'invite à prendre ta Bible parce que nous allons beaucoup lire, nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu ce soir. Nous allons faire beaucoup de lectures dans le Nouveau Testament. Alors je t'invite à avoir ta Bible à côté et à avoir de quoi noter, car le Seigneur a quelque chose pour toi encore ce soir, bien-aimé. Amen. Alors nous sommes dans un temps, nous sommes dans le temps de la grâce, nous savons tous. Et voyez-vous, ce temps de la grâce dans lequel nous sommes est un temps qui nous permet de vivre une vie chrétienne beaucoup plus accessible. La vie chrétienne est beaucoup plus pratique, si je peux le dire. Et sous ce temps de la grâce, les hommes ont le choix de choisir le Seigneur ou bien de ne pas le choisir. Les êtres humains ont le choix d'accepter Christ ou de ne pas l'accepter. Nous avons le choix de donner notre vie à Christ ou de le renier. Nous avons le choix de faire de lui notre Seigneur et Sauveur ou bien de nous détourner de lui et de choisir le diable et le monde. Et ce choix est un libre arbitre à tout le monde. Dieu a laissé le libre arbitre et il pouvait le dire dès le livre de Genèse, dans Genèse, les premiers chapitres déjà, que je mets devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de prendre la vie afin que tu vives. Voyez-vous, Dieu n'est pas un Dieu qui s'immisce dans les affaires des hommes sans être invité. Dieu n'est pas un Dieu qui décide de s'imposer à l'être humain. Dès le commencement, quand il nous a créés, il nous a donné le choix de l'accepter ou le choix de refuser de marcher avec lui. Le choix de donner notre vie à Christ ou bien le choix de refuser cette main tendue que le Seigneur nous donne. Mais nous, en tant que chrétiens, nous qui avons décidé de donner notre vie à Christ, toi et moi qui avons décidé de marcher avec le Seigneur et de faire de lui notre maître et le Dieu, le Seigneur de nos vies. Est-ce un acquis? Est-ce que la vie chrétienne consiste-t-elle juste
a donné sa vie à Christ pour dire à un moment précis, Seigneur, peut-être à partir de ce jour, le 25 août 2020, je fais de toi mon Dieu, mon maître et mon Seigneur, et c'est fini, on s'en arrête là. Non, bien-aimé, ce n'est pas un acquis. Paul pouvait le dire que je, oubliant tout ce qui est passé, je reste focalisé sur la couronne à venir et je cours pour atteindre le but final. Et c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas une vie d'acquis, bien-aimé. J'aimerais déjà qu'on se comprenne très tôt sur ces principes-là. La vie chrétienne n'est pas une vie d'acquis. C'est vrai, l'œuvre de la croix nous permet de vivre une vie beaucoup plus sereine. Nous nous appuyons sur l'œuvre de la croix, l'œuvre que Christ a accomplie pour marcher dans une vie chrétienne victorieuse. En tant que chrétien, nous marchons déjà dans la victoire du Seigneur. Et la vie chrétienne consiste juste à manifester cette victoire que Christ nous donne. Mais il ne s'agit pas juste de prendre une décision volontaire pour pouvoir rester attaché à Christ. Le Seigneur m'a amené à voir l'histoire d'un homme dans la Bible. Un homme qui était un des disciples de Jésus. Un homme dont nous connaissons tous l'histoire. Un homme qui a marqué son temps. Un homme qui a été un pilier dans l'évangile. Un homme qui a été un pilier dans l'œuvre que le Seigneur a fait. Que ce soit pendant que Christ était là ou bien après que Christ soit parti par la mort sur la croix. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Nous allons commencer. Luc, le chapitre 5. Luc, chapitre 5. Nous allons lire du verset 1 au verset 8. Luc, chapitre 5, du verset 1 au verset 8. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Verset 2. Il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'isoler un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseigna la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien rendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient de l'autre côté de la barque, dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Et le verset 8 enfin. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et il dit, Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Voici l'histoire de la rencontre de Pierre et de Jésus. Ce passage nous raconte la rencontre que Jésus a eue avec Pierre et l'histoire de la conversion de Pierre venait de commencer dans ce passage, dans ce chapitre. Pierre a fait la rencontre avec Jésus et dès le commencement, Pierre a accroché avec Jésus. Pierre a connecté avec Christ et dès ce moment, la vie de Pierre a commencé à changer. Tout comme toi et moi, bien-aimés, il est arrivé toujours à un moment. Comme on le dit, il y a toujours un début à tout. Et là commence aussi l'histoire de Pierre, comme à un moment a commencé l'histoire de ta marche avec le Seigneur. Et nous allons voir que dans toute l'histoire, dans toute la vie et le ministère de Jésus sur terre pendant les 3 ans, Pierre a été un des disciples sur lesquels le Seigneur s'est beaucoup appuyé dans son travail. Pierre a été un des piliers, si je peux dire même, de l'œuvre et du ministère de Christ sur terre quand il était là. Pierre était un des disciples qui dormait avec Jésus. Pierre était un des disciples qui voyait le Seigneur manger, qui mangeait à table avec le Seigneur. Pierre était un des disciples qui voyait Jésus faire des miracles de leurs yeux. On ne lui a pas raconté les miracles que Jésus faisait. Pierre a vu les miracles que Jésus faisait. Pierre était l'un des rares disciples qui accompagnait le Seigneur dans ses moments de retraite et d'intimité. Lorsque Jésus était allé à Gethsémani, si vous vous rappelez, Pierre était l'un des rares disciples qui avait accompagné le Seigneur dans ses temps d'intimité et dans ses temps de combat. Nous pouvons dire alors que Pierre était un homme qui n'est pas un simple chrétien, non. Pierre était un homme assis dans la foi. Pierre était un des disciples de Jésus et il avait les bonnes dispositions pour marcher avec le Seigneur. Bien-aimé, Pierre était un homme qui était sincère dans sa marche avec le Seigneur. Il était déterminé à être agréable à Jésus.
Pierre était déterminé à vivre la vie que Jésus lui donnait. Vous voyez, dès ce moment-là, Pierre n'a plus, la Bible nous dit jusqu'à un certain moment, Pierre n'est plus reparti pécher. Pourquoi? Parce que dès ce moment, dès le chapitre 5 du livre de Luc, Jésus lui a dit, suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'hommes. Jésus lui a offert mieux que sa vie de pécheur. Et Pierre a décidé d'accepter cette vie-là. Pierre a décidé d'accepter cette main tendue. Pierre savait avec qui il marchait, bien-aimé. Et tout comme toi et moi, si tu as accepté de donner ta vie à Christ, c'est parce que tu sais le Dieu en qui tu as cru. C'est parce que tu connais ce Dieu-là et tu veux lui appartenir. Tu veux marcher avec lui en nouveauté de vie parce que tu sais qu'il n'y a point d'autre meilleur à part le Christ. C'est la disposition que Pierre avait. Pierre, à ses débuts, avait la même disposition que toi et moi. Pierre est allé encore plus loin. Pierre avait la révélation, non seulement il était disposé, mais il avait la révélation par le Saint-Esprit que Jésus était le Fils de Dieu. Et nous pouvons le lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, du verset 13 au verset 18. Lors d'une discussion avec ses disciples, Jésus leur a posé la question. Matthieu, chapitre 16, verset 13 et 18. La Bible dit, « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon Pierre, écoutez bien, Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Verset 17, Jésus reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est le Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. » Et verset 18, voyez la promesse que le Seigneur lui fait après cette parole. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Comme Pierre, bien-aimé, lorsque nous sommes venus à Christ, au travers de cette constitution et cette Bible, le Seigneur nous a fait énormément de promesses. Le Seigneur t'a fait à toi et à moi, le Seigneur nous a fait beaucoup de promesses comme Pierre. Et nous avons une promesse de vie chrétienne glorieuse. Nous avons une promesse de vie chrétienne éclatante où nous triomphons du péché, où nous triomphons de la corruption, où nous triomphons de toutes les attaques de l'ennemi à cause du sang de la croix. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? Pierre était un homme disposé. Il était sincère. Mais arrivé à un moment de sa marche avec le Seigneur, Pierre a fini par lâcher, si je peux dire. Nous allons le voir tout à l'heure. Pierre, arrivé à un moment, a fini par tourner le doigt au Seigneur. Mais avant que cela arrive, dès les débuts de sa marche avec le Seigneur, Pierre était un homme disposé. Et il était prêt. Pierre, si nous pouvons le dire de nos jours, Pierre était à la limite comme un extrémiste, en fait. Il était engagé totalement de tout son cœur dans sa vie et dans l'œuvre qu'il faisait avec le Seigneur. Nous allons encore prendre nos Bibles dans le livre de Marc. Nous allons voir un peu la disposition. Quand je dis Pierre était un homme engagé, vous allez voir avec moi quelle était la disposition de Pierre, jusqu'où Pierre était capable et prêt à aller pour son Seigneur. Marc 14, le verset 26 au verset 30. Marc 14, du verset 26 au verset 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés. » Dans certaines versions, il est dit, « Vous serez tous ébranlés dans votre foi. » Dans la version Parole de vie. « Car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Verset 29, écoutez encore. Pierre lui dit, « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Verset 30, Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, Pierre, cette nuit même, avant que le coq ne chante deux fois, tu me renieras trois fois. » Il continue encore, il tient, il réplique. Verset 31, « Mais Pierre reprit la parole fortement. Quand il me faudrait même mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Pierre dit, quand même il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. N'est-ce pas une belle disposition? N'est-ce pas une disposition noble de la part de Pierre?
Et voyez-vous, c'était ce même Pierre qui était prêt à tuer quelqu'un, et il a enlevé son couteau lorsque les gens étaient venus arrêter Jésus pour lui couper l'oreille, pour couper l'oreille à un des hommes qui étaient venus arrêter Jésus. Pierre était disposé, bien aimé. Peut-être même que Pierre était beaucoup plus engagé dans sa foi, beaucoup plus engagé dans sa marche chrétienne que toi et moi aujourd'hui. Voyez-vous jusqu'où Pierre était prêt à aller? Retenez bien ce verset, verset 31. Mais Pierre reprit la parole fortement et dit, « Quand même, il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Voyez-vous, bien-aimés, de même, quand nous marchons avec le Seigneur, quand nous donnons notre vie, nous sommes sincères dans notre marche avec Dieu. Nous sommes sincères dans notre engagement avec le Seigneur. Nous sommes disposés, et beaucoup de nous, toi et moi ce soir, nous sommes disposés à être agréables au Seigneur. Notre désir, c'est de rester avec le Christ jusqu'à la fin. Notre désir, c'est peu importe ce qui arrive, de rester attaché et accroché à lui. C'était la disposition de Pierre. Pierre était de cette disposition. Nous allons lire le verset, la suite du verset, et vous allez voir ce qui s'est passé par la suite. Nous allons descendre dans le même chapitre, Marc chapitre 14 toujours. Nous allons lire du verset 66 maintenant au verset 72. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vit une de ses servantes. Il vint une des servantes du souverain sacrificateur, verset 66. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et le dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth ?» Verset 68. Il le nia en disant, « Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. Première fois. Nous allons continuer. La servante l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Celui-ci est de ces gens-là aussi. » Et il le nia de nouveau. Verset 70. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. » Verset 71. Il commença à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et aussitôt, verset 72, pour la seconde fois, le coq chanta. Il commença à faire des imprécations. Waouh! C'est le même homme, hein, bien-aimé. C'est le même homme qui, dans le verset 31 ici, disait, « Même s'il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et arrivé un moment, à partir du verset 26, lorsqu'on a arrêté ici ce contexte, c'est que Paul était allé pour voir ce qui se passait lorsqu'on a arrêté Jésus, lorsque les souverains sacrificateurs avaient envoyé des gens pour arrêter Jésus. Tous ont pris la fuite. Lui, il avait dit déjà au verset précédent, « Même si tous étaient scandalisés, moi, Seigneur, jamais je ne serai pas scandalisé. Moi, jamais, même si je dois mourir avec toi, jamais je ne renierai. » Il a été aussi de ceux qui ont pris la fuite. Alors qu'il a dit ça de sa bouche. Mais après, c'est de loin qu'il suivait la scène. Et même quand on l'a encore interpellé, il a juré. Voyez-vous, quand j'ai lu ce passage, je suis allé un peu chercher la définition. Voyez, quand on lit la Bible, il faut chercher certaines définitions pour comprendre ce que la Bible veut dire. Le verset 71 dit que Paul faisait des imprécations. Faire des imprécations, c'est prononcer des paroles de malédiction sur quelqu'un, c'est dire des choses en rapport avec une malédiction sur quelqu'un. Mais ici, dans ce contexte, Paul était en train de faire des imprécations, c'est-à-dire qu'il était en quelque sorte en train de se maudire lui-même. De manière plus simple, c'est comme si on disait à Paul, « Toi, tu es de ceux-là, certainement, tu es avec Jésus car tu es galiléen. » Et Paul pouvait dire, « Je le jure, si je connais cet homme, que Dieu me maudisse ça, ou bien que la foudre me frappe, que meure. » C'est ça, des imprécations. C'est ce que Pierre était en train de faire. Et non seulement il ne s'est pas arrêté là, mais il a juré ne pas reconnaître cet homme avec qui il marchait. Pierre a fini par jurer. Bien-aimé, tu ne peux pas imaginer jusqu'où tu peux aller. Tu ne peux pas imaginer ce que demain te réserve. Tu ne peux pas imaginer ce qui peut arriver, bien-aimé. Pierre avait les bonnes dispositions. Pierre était disposé. Pierre était un homme qui, dès sa rencontre avec le Seigneur, était sincère. Nous ne parlons pas ici des chrétiens qui font le double jeu, qui aujourd'hui avec Dieu a un pied dedans, un pied dehors. Tu dois revoir ta position de chrétien bien-aimé si c'est le cas. Mais Pierre était un homme sincère.
L'histoire ne s'est pas arrêtée là. Pierre est allé plus loin encore. Nous allons voir dans le livre de Jean. Jean, le chapitre 21. Nous allons lire du verset 4. Du verset 1 au verset 4. Jean 21, verset 1 au verset 4. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, et les fils de Zébédée et les deux autres disciples que Jésus aimait étaient ensemble. Verset 3, écoutez bien. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Et il lui dit, nous allons aussi avec toi. Et ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. N'est-ce pas que Simon avait décidé de laisser la pêche pour suivre le Seigneur? N'est-ce pas que Simon avait décidé de tourner le dos à cette vie de pêcheur pour que le Seigneur fasse de lui un pêcheur d'hommes? Voyez-vous comment Simon, ça, cette histoire, c'est après la mort de Jésus. Lorsque Jésus a été crucifié, les disciples se sont dispersés un peu. Et lorsque Jésus est réapparu, il est réapparu de plusieurs manières à différents endroits à ses disciples. Et ici, comme la Bible dit, sur les bords de ce lac, Jésus leur est apparu. Mais au début, ils ne savaient pas que c'était Jésus. Et entre-temps, alors qu'ils traversaient des moments difficiles, alors qu'il y avait les tribulations, les gens, le peuple se soulevait contre eux parce que leur maître a été crucifié à la croix. Voyez ce qui s'est passé avec Pierre. Pierre est reparti pêcher. Pierre a tout laissé. Pierre a laissé l'œuvre du Seigneur. Il dit, je m'en vais pêcher. Cette même histoire se produit dans la Bible avec beaucoup de gens. À l'exemple de Samson. Samson était un homme qui, dès le sein maternel, était consacré au Seigneur. Mais nous connaissons tous l'histoire, comment Samson a fini. Il a fallu la grâce du Seigneur pour que Samson puisse se ressaisir et finir par accomplir la destinée pour laquelle le Seigneur l'a suscité dans sa génération. Il a fallu justement aussi la grâce du Seigneur pour que Pierre puisse se ressaisir après. Pierre, qui a décidé de laisser la pêche, est revenu. La même chose qui s'est passée avec Pierre nous arrive aussi des fois. Cette même chose peut nous arriver aussi des fois. Pierre n'a jamais imaginé. Voyez-vous, c'est ça la subtilité en fait de la marche chrétienne, de cette vie que nous vivons qui est une vie à contre-courant. Pierre n'a jamais imaginé un jour arriver à tourner le dos à son Dieu. Pierre n'a jamais imaginé un jour finir par renier son Dieu. Est-ce que vous comprenez? Pierre n'a jamais imaginé un jour de lui-même sortir de sa bouche jusqu'à aller se maudire, faire des imprécations pour dire « Je ne connais pas Jésus ». Pierre ne l'a jamais imaginé. Et comme toi et moi, bien-aimés, nous, lorsque nous avons choisi cette vie, nous n'avons jamais imaginé et nous n'imaginons à aucun moment finir par nous détourner du Seigneur, finir par lui lâcher la main et lui tourner dos. La question alors que je me pose, c'est comment on fait pour en arriver là? Comment on fait pour passer de ce niveau de Pierre qui était prêt à mourir avec le Seigneur à ce niveau de Pierre qui jure et qui renonce au Seigneur, qui le renie et va plus loin encore pour se maudire et faire des imprécations. Et en plus de ça, il repart, il laisse tout tomber et il repart dans sa vie de pécheur. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en arrive là, bien-aimé? C'est la question que je t'encourage à te poser ce soir. Comment on en arrive là? Qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre? Voyez-vous, voir l'histoire de Pierre, peut-être que ça a l'air simple. Nous nous disons, oui, aujourd'hui, moi, oui, Pierre a fini par renier le Seigneur, mais moi, je ne vais pas renier le Seigneur. Doucement, bien-aimé, attendons. Il nous arrive de renier le Seigneur aussi des fois. De manière très subtile, nous ne nous en rendons pas compte. Mais il nous arrive des fois de renier le Seigneur. Tu peux te dire, bon, moi, je suis toujours chrétien, je ne renie pas le Seigneur. Je suis toujours chrétien, je viens à l'église, je sers le Seigneur. Je suis là tous les dimanches à l'église. Je n'ai pas changé de confession de foi. Non, il ne s'agit pas de ça, bien-aimé. Je vais vous donner quelques exemples. Lorsque tu arrives dans un endroit et que tu es avec des gens qui ne sont pas chrétiens,
que tu es avec des gens qui ne sont pas de la même confession de foi que toi, ou bien tu arrives simplement dans un milieu païen. C'est à ces moments-là que tu dois affirmer ta foi, bien-aimé. C'est à ces moments-là que tu dois t'imposer et t'affirmer pour dire non, moi je suis chrétien, je ne fais pas ça. C'est à ces moments que tu dois affirmer ta position et ne pas te compromettre. Mais est-ce que c'est ce que tu fais? Ou bien tu décides juste de te taire pour dire non, pour que tu passes aux yeux de tous comme le gars cool, le gars simple qui est l'ami de tout le monde pour ne pas frustrer. Voyez-vous, des fois, on se compromet par peur de frustrer les gens. Et c'est un piège. La Bible dit, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Celui qui se malheur, la Bible dit dans Proverbe, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Quand tu veux te détourner des principes de Dieu pour être agréable aux hommes, tu es en train d'attirer le malheur et la malédiction sur toi, bien-aimé. Si tu fais cela, c'est une manière de renier le Seigneur. Parce que Jésus disait, celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père et devant les anges. Quand tu arrives quelque part, est-ce que tu t'affirmes? Est-ce que tu t'imposes? Lorsqu'on te fait des propositions, tu acceptes ou bien tu refuses parce que tu es chrétien et que tu imposes ta position? Deuxième chose, peut-être, le Seigneur t'a fait une promesse ou bien tu traverses des moments difficiles. Ce n'est pas évident. Tu pries, tu intercèdes, mais tu ne vois pas la réponse à la prière. Tu pries, mais tu ne vois pas le résultat de la prière. Est-ce que tu finis par décider de prendre des raccourcis et de laisser tomber? Ou bien tu décides de rester attaché. Si tu finis par prendre les choses en main et chercher des raccourcis parce que tu as beaucoup attendu, tu as attendu et le Seigneur n'a pas répondu, bien-aimé, tu es en train de renier le Seigneur. Le fait de laisser tomber la foi pour te focaliser et chercher par toi-même les moyens pour te satisfaire, tu es en train de renier le Seigneur. La Bible dit dans Psaume 147 que ce n'est pas dans la vigueur du cheval que le Seigneur prend plaisir. Mais il prend plaisir en ceux qui espèrent en sa bonté. Est-ce que tu espères en la bonté du Seigneur? Ou bien tu décides alors, bien-aimé, de chercher des raccourcis par toi-même? Une situation se présente et tu dois dire la vérité. Peut-être que cette vérité va te mettre dans une situation difficile. Peut-être que cette vérité va te mettre en mal. Choisis-tu de dire la vérité? Ou bien choisis-tu, comme les gens le disent, d'arrondir les bords? Pour t'en sortir. Si c'est ce que tu fais, bien-aimé, tu es en train de renier le Seigneur. Si c'est ce que tu fais, laisse-moi te dire que tu es en train de renier le Seigneur. Il ne s'agit pas forcément de ne plus venir à l'église. Il ne s'agit pas forcément de ne plus venir à des temps de prière peut-être. Mais il s'agit de ta marche de tous les jours. Dans les petites choses, dans les petits détails de tous les jours, nous renions le Seigneur sans le savoir des fois. Tout comme Pierre, nous n'imaginons jamais en arriver là un jour. Nous n'imaginons jamais arriver à ce point où nous pouvons finir par tourner le dos à ce Jésus que nous aimons tant. Mais une chose est de savoir alors, au travers de cette histoire, que bien aimé, une bonne disposition ne suffit pas pour rester attaché à Christ. La seule bonne disposition que tu peux avoir ne suffira pas pour que tu restes attaché. Tu peux être sincère, tu peux avoir toute la bonne disposition, toute la sincérité, tout l'engagement du monde. Mais ça ne suffira pas pour que tu restes attaché à Christ, bien-aimé. Voilà pourquoi, la première chose, il te faudra demander au Seigneur de t'accorder la grâce de l'aimer. Voyez-vous, dans le livre d'Apocalypse, l'une des premières choses que le Seigneur a reproché à ces sept églises, c'est qu'il a reproché à la première église d'avoir laissé tomber son premier amour. Si il ne s'agit pas ici de l'amour que nous décidons. Ce n'est pas « je décide d'aimer mon frère tel, je décide d'aimer de moi-même ». Tu n'y arriveras pas, bien-aimé. Laisse-moi dire cette phrase. Sans Dieu, tu ne peux pas aimer Dieu, bien-aimé. Sans Dieu, peu importe toute ta disposition, favorable soit-elle au monde, tu ne peux pas aimer Dieu. Tu ne pourras pas rester attaché, accroché à lui sans que lui ne fasse le pas et ne t'accorde la grâce de l'aimer. La Bible pouvait le dire dans Romains 5:5 que l'amour du Seigneur a été déversé dans nos cœurs. L'amour du Seigneur a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tu dois chaque matin faire de cela ta prière, bien-aimé. Dans ce monde où les gens sont ébranlés, dans ce monde où les systèmes politiques, les systèmes économiques sont mis en mal, si tu veux rester attaché au Seigneur, bien-aimé, ne te trompe pas. Même si tu es sincère, c'est vrai, la bonne disposition est nécessaire.
Il faut la bonne disposition à la base. Mais seul, ça ne suffit pas. Il faut demander au Seigneur, Père, accorde-moi la grâce de t'aimer. Chaque matin, Seigneur, accorde-moi la grâce de t'aimer. Donne-moi de t'aimer d'un cœur sincère. Si tu ne fais pas encore cette prière, bien-aimé, je t'encourage à commencer à faire cette prière. Tu en as besoin. Ta vie de chrétien, ta vie, ta marche de tous les jours en dépend, bien-aimé. Seigneur, accorde-moi de t'aimer. Une prière simple, mais très efficace. Père, apprends-moi à t'aimer. Accorde-moi la grâce de t'aimer. Fais-tu comme Pierre? Ou bien est-ce qu'il t'arrive de vivre ce que Pierre vit, arriver à un certain moment de ta marche chrétienne et tu te relâches? Arriver à un certain moment de ta marche chrétienne, tu laisses tomber. Tu te décourages à cause de l'adversité, à cause des difficultés. Et tu décides de relâcher dans ta vie chrétienne. Peut-être parce que tu n'as juste pas veillé. Peut-être parce que tu n'as juste pas fait attention. Voyez-vous, le piège dans lequel Pierre est tombé, c'est que Pierre, quand même, c'était un des disciples de Jésus. Quand même, c'est Pierre. C'est quelqu'un qui a marché avec Jésus. C'est quelqu'un qui a mangé sur une même table avec Jésus. C'est quelqu'un qui a vu Jésus faire des miracles. Et lui aussi, il a fait des miracles à cause du Seigneur. En son nom, Pierre n'était pas n'importe qui. Pierre était un homme responsable et assis dans la foi. Il s'est dit, c'est bon, je suis arrivé en fait. Je suis arrivé, je suis un disciple de Jésus. Bien-aimé, où tu es aujourd'hui ne garantit pas que tu seras toujours là demain. Ça ne garantit pas que tu seras toujours là demain, bien-aimé. Ta position d'aujourd'hui ne garantit pas que tu seras à cette même position demain. Ce n'est pas un acquis. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, veillez et priez. Vous savez, nous prenons les dieux amenés dans l'histoire de Pierre parce que Pierre a été un homme dont nous pouvons tirer beaucoup d'enseignements de la vie. Jésus a dit à un moment à Pierre, « Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. » Et bien aimé, aujourd'hui, Satan te réclame pour te cribler comme du froment. Il faut que tu le comprennes, bien aimé. Et pour que tu puisses rester attaché au Seigneur, tu as besoin de sa grâce. Veille, fais attention, ce n'est pas un acquis. Ne te relâche pas. Si tu penses que tu es arrivé dans ta vie chrétienne, si tu penses que où tu es, c'est déjà, tu as déjà tout accompli. Bien-aimé, fais attention. La Bible dit dans Corinthiens que celui qui est debout, fasse attention de tomber. Que celui qui se croit debout, fasse attention de tomber. Si tu te crois debout, bien-aimé, ce n'est pas un acquis. Là où tu es aujourd'hui, ne garantis pas que tu seras toujours là demain. Voilà pourquoi il te faut toujours veiller, garder ton cœur, prier. Seigneur, accorde-moi la grâce de rester attaché à toi. Nous n'avons pas besoin d'être orgueilleux, Père. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'être orgueilleux pour ça. Il faut que tu le comprennes. Seigneur, accorde-moi la grâce. Jésus pouvait le dire dans le livre de Jean 15, un passage que nous connaissons tous. Jean 15, le verset 5. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui reste attaché à moi porte beaucoup du fruit. Ce qui nous amène justement au deuxième point que nous allons voir ce soir, c'est qu'il te faut avoir la révélation et la compréhension que sans Dieu, tu n'es rien, bien-aimé. Si tu ne comprends pas ça, tu ne pourras pas rester attaché au Seigneur. Après lui avoir demandé de t'accorder la grâce de l'aimer, il faut lui demander de t'accorder la grâce. Il y a une différence entre lire quelque chose et avoir la révélation, le réma qui vient du Seigneur. Quand tu as une révélation, bien-aimé, rien ne te déstabilise, rien ne te perturbe. Tu sais ce que Dieu t'a dit, tu sais en qui tu as cru, tu sais ce que tu as, sur quoi tu t'appuies, et tu es inébranlable, tu es comme le roc, tu es bâti sur le roc, bien-aimé. Tu dois demander au Seigneur de t'accorder la grâce, de comprendre. Il ne s'agit pas juste de quelque chose que tu dois apprendre à comprendre. C'est une réalité, c'est un fait, bien-aimé. C'est un fait qui est là. Ça s'appelle la loi de la dépendance. Bien-aimé, il faut que tu comprennes. Sans lui, tu n'es rien. Si tu n'as pas compris ça, bien-aimé, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Tu vas faire beaucoup d'efforts pour arriver à peu. Parce qu'il est le cep et nous sommes le sarment. J'aime bien le verset parce que Jésus dit, « Celui qui reste attaché à moi porte beaucoup de fruits. » Il n'a pas dit que tu produiras du fruit. Ce n'est pas ton travail de produire du fruit. Toi, tu portes le fruit. C'est lui la source. C'est lui ta substance. Toi, tu as ton devoir, c'est de rester attaché à lui pour porter du fruit. Mais si tu ne comprends pas ça, bien-aimé, tu vas finir par lâcher un moment. Tu vas finir par faire beaucoup d'efforts et te fatiguer. Tu dois arriver
à ce niveau où tu demandes au Seigneur, chaque matin que tu te réveilles, d'un cœur sincère, Père, je sais que je ne suis rien sans toi. Accorde-moi la grâce de rester attaché à toi. Je sais que Seigneur, aujourd'hui, pour cet examen que je vais composer, je ne suis rien sans toi. Seigneur, pour ce projet que je suis en train de commencer, c'est toi mon inspiration, c'est toi ma sagesse. Père, pour cette affaire que je vais aller négocier, Seigneur, je sais que c'est toi qui mettras les paroles sur ma bouche. Peut-être même que tu veux juste prendre ton engin pour conduire. Tu dis, Seigneur, je sais que c'est toi qui conduis mes membres. Sans toi, je ne peux pas arriver à bon port avec cette moto, avec cette voiture. Peut-être que tu as la cuisine, Seigneur. Sans toi, je ne peux pas arriver à cuisiner cela. Il ne s'agit pas de simplement bien-aimé. Il faut que tu le comprennes. C'est un fait, c'est quelque chose qui est là. Si tu n'adhères pas, tu vas avoir des difficultés, bien-aimé. Pierre l'a compris dans Jean 6, 65. Nous n'allons pas lire à cause du temps. Jean 65, verset 69. Pierre a compris. Jésus discutait avec ses disciples et arrivé un moment, certains étaient frustrés et ils partaient. Et Jésus a demandé aux autres, mais vous, pourquoi ne partez-vous pas? Pourquoi vous êtes restés? Et Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as la parole de la vie, Père. À qui irions-nous? C'est ce que tu dois dire au Seigneur, bien-aimé, ce soir. Si tu as compris qu'il est ta source, si tu as compris qu'il est ton inspiration, si tu as compris qu'il est ton tout et ta substance, bien-aimé, rien ne te sera impossible. Comme Pierre, bien-aimé, Pierre a eu des difficultés à un moment de sa vie. Mais il a fini par se ressaisir. Pierre a fini par se ressaisir. Et à la fin de ce verset, de ce passage que nous avons vu dans Jean 21, j'ai demandé à Pierre, Simon, arrivé à un moment de ta marche, t'es-tu relâché? Arrivé à un moment de ta marche, t'es-tu découragé? Ce n'est pas le temps de relâcher, bien-aimé. Ce n'est pas le temps de te décourager. Ce n'est pas le temps de refourguer ta marche, car les jours sont mauvais. Ressaisis-toi, relève-toi, bien-aimé, et reviens dans ta marche avec le Seigneur. Reviens à ton premier amour. Demande au Seigneur deux choses ce soir. Seigneur, accorde-moi la grâce, Père, de t'aimer. Que cela fasse l'objet de ta prière de chaque matin. Deuxième chose, demande-lui, Père, accorde-moi la grâce d'avoir la révélation et la compréhension que je ne suis rien sans toi. Si tu ne comprends pas, si tu n'appliques pas ces deux choses, bien-aimé, comme Pierre, tu finiras un jour par lâcher et retourner en arrière. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Ce soir, d'où tu es, le Seigneur t'interpelle, bien-aimé. Veille, reste attaché. La Bible dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Dans ce monde où tout est perturbé, Jésus revient pour prendre ceux qui sont attachés à lui. Jésus revient pour prendre ceux qui restent attachés, accrochés à lui. Il ne revient pas pour ceux qui l'aiment bien et ceux qui l'apprécient bien, non. Il revient pour l'épouse, ceux qui l'aiment. Il travaille à rester attaché avec lui. D'où tu es, est-ce que tu peux baisser la tête ce soir? Et ensemble, nous allons élever la voix. Seigneur, nous voulons être reconnaissants pour ta parole. Nous voulons te dire merci pour ces moments que tu rends possible encore. Merci pour ta parole, Père, qui est sortie ce soir et qui nous fait du bien. Merci de ce que, Père, au travers de ces passages, au travers de cet enseignement, tu nous accordes la grâce de veiller sur nous. Tu nous accordes la grâce, Père, de revenir à toi encore. Tu nous accordes la grâce de nous relever là où nous étions tombés, de nous relever là où nous avons relâché. Nous te demandons, Père, ce soir, donne-nous de t'aimer. Ton amour qui est déversé dans nos cœurs par ton esprit, accorde-nous par cet amour, Père, de rester attaché à toi. Accorde-nous la grâce, Père, d'avoir la révélation et la compréhension que c'est toi notre Dieu, que c'est toi notre source de vie. Oh, alléluia. Source de vie, mon sauveur, bénis-moi. Source de vie, source de vie.
je m'approche de toi, Père, je m'approche de toi, oh, je m'approche de toi. La grâce, Seigneur, de nous retrouver en ta présence encore ce soir. Merci de ce que tu nous accordes la grâce de nous approcher de toi. Tu t'es approché de nous en cette soirée et nous voulons être reconnaissants, Papa. Alors que nous repartons, nous prions que tu inspires encore les pensées de nos cœurs, que tu nous gardes, que tu nous veilles sur nous et que ta parole, Seigneur, qui est sortie, nous fasse du bien au nom de Jésus. Père, nous prions ce soir. C'est la révélation de ta parole. Alors, bien-aimés, nous arrivons au terme de ces moments d'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse de vous être disposé pour ces temps. Que le Seigneur nous accorde la grâce de rester attachés à lui. Restons connectés et nous nous retrouvons le dimanche matin à partir de 9h30 pour le culte dominical. Que le Seigneur vous bénisse et bonne soirée. Shalom, shalom.